Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 7 au 14 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonné pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, soit abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Angels, please give me a reading for my Scorpio. Thank you so much, Scorpio energy. April 7th through the 14th. Scorpio energy, April 7th through the 14th. Scorpio energy, April 7th. Through the 14th. What's going on in the love life? Thank you. Ok. Les scorpions. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes très stable financièrement. Ou encore, vous avez ici affaire à une personne qui est vraiment très stable financièrement. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici amoureux d'une personne qui est du signe zodiaque vierge. Ou peut-être c'est vous qui avez votre signe vierge en ascendant. Et on est ici dans une situation où vous arrivez juste à maintenir votre maison, vous arrivez à maintenir vos biens. Vous êtes confortable dans votre peau, confortable chez vous. J'ai l'impression que vous êtes ici célibataire. Et vous êtes en train d'apprécier le fait d'être célibataire. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que le fait d'être célibataire pour vous, ce n'est pas vraiment une fatalité. Vous prenez ce temps-là pour vous redécouvrir. Vous prenez ce temps-là pour vous concentrer sur vous-même, pour vous concentrer même sur différents projets. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de travailler sur un projet en particulier qui est très important pour vous. Je vois ici quelqu'un qui veut ouvrir un nouveau business ou encore quelqu'un qui essaye d'ouvrir un nouveau business. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous essayez ici d'ouvrir un nouveau business, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment besoin de dépenser beaucoup d'argent pour commencer ce business. C'est juste une histoire de dédication, c'est juste une histoire de détermination et de confiance en soi. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes ici une personne qui est très créative, très créative. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup la couture, la cuisine et la menuiserie. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de réparer certaines choses que vous avez chez vous à la maison. S'il y a certaines réparations qu'on doit faire chez vous à la maison, vous prenez votre temps. Le temps même où vous n'êtes pas occupé, vous trouvez un moyen de fixer certains trucs chez vous. Mais vous êtes vraiment très confortable dans votre peau, célibataire, et je n'ai même pas l'impression que vous recherchez ici un amoureux. Je n'ai pas vraiment l'impression que vous recherchez ici à être en couple avec qui que ce soit. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici un grand succès dans vos affaires.
Si pendant une certaine période de temps, vos affaires étaient vraiment lentes, vous n'arriviez pas à faire de l'argent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup plus d'argent que d'habitude. Vous avez ici un certain succès dans vos affaires, une certaine renommée à soi. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que si vous venez de commencer un nouveau travail, j'ai l'impression que vous avez ici eu une promotion ou vous venez d'avoir une promotion ou une augmentation. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes ici quelqu'un de célèbre ou juste quelqu'un de renommé. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous travaillez ici dans une organisation du gouvernement à soi. Mais vous êtes vraiment très stable, très successful. Mais il est ici important pour vous de faire attention. Pour une partie d'entre vous, devez, si vous venez de recevoir une promotion, vous devez ici faire attention à certaines personnes qui essayent ou qui risquent d'essayer de vous piéger afin que vous perdiez une promotion. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici célèbre, il est important pour vous de faire attention à certaines personnes qui vous observent et qui vous veulent du mal. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous essayez ici d'investir dans un nouveau projet, il est important pour vous de ne pas investir dans ce projet avec un partenaire. Il est important pour vous de ne pas faire de collaboration avec qui que ce soit, parce que je vois ici quelqu'un qui voit votre succès, quelqu'un qui voit votre émergence, qui risque de s'approcher de vous comme si il ou elle veut vous aider, alors que cette personne ne voudra seulement que vous détruire, cette personne ne voudra seulement que vous empêcher d'atteindre certains objectifs que vous voulez atteindre. Puis c'est une partie d'entre vous, c'est carrément votre meilleur ami, ou encore un ami à votre meilleur ami. Pour une autre partie d'entre vous, il est important pour vous de faire attention à vos conversations. Je vois ici quelqu'un qui vous écoute. On a ici des gens qui vous écoutent. Peut-être que votre téléphone est mis sur écoute. Ou encore des conversations que vous avez au travail sont mises sur écoute. Pour une autre partie d'entre vous, il est important pour vous de toujours vous déplacer avec votre téléphone. Parce qu'on a certaines personnes qui essayent d'avoir certaines informations sur vous afin de vous détrôner. Vous êtes surveillé. Je vois ici quelqu'un qui est surveillé. Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici des gens qui vous surveillent et qui veulent vous faire du mal, j'ai l'impression qu'ils ne trouveront rien. Ils ne trouveront rien pour vous nuire. Au final, en voulant essayer de vous faire du mal, ils risquent même de vous apprécier ou ils risquent aussi de reconnaître votre valeur. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes célèbre et que vous avez ici un boulot qui vous met à la vue de tout le monde, il est important pour vous de faire attention peut-être à vos nouveaux followers, vos nouveaux abonnés, vos nouveaux fans. On a ici des gens qui essayent de vous analyser. Mais à la fin, ils vont tous commencer à apprécier ce que vous faites à soi. Mais faites quand même attention à cela. Et pour une autre partie d'entre vous, par contre, si ce n'est pas ici des gens, mais je vois qu'on a ici à 80% de chances que ce soit des gens que vous ne connaissez pas, ok? Mais ça, c'est surtout sur le plan professionnel. En venant sur le plan amoureux, il y a ici quelqu'un qui vous espionne. Je vois ici quelqu'un qui est amoureux de vous et qui vous espionne. Il est probable que vous ayez ici un partenaire avec qui vous avez travaillé, qui vous espionne et qui est amoureux de vous.
On a ici quelqu'un qui vous espionne travailler. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez ici quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui est carrément amoureux de vous, mais qui ne vous a pas encore déclaré sa flamme. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes célèbre, faites attention à ce que quelqu'un ne veut pas juste être dans une relation avec vous à cause de votre célébrité. Pour d'autres, si vous avez une certaine position à votre travail, faites attention à ce que l'un de vos employés n'essaye pas d'être dans une relation avec vous à cause de votre poste, peut-être parce que vous êtes un boss, parce que vous faites peut-être beaucoup plus d'argent. Mais je vois ici quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous à cause de vos accomplissements dans la vie. Pas vraiment à cause de votre cœur, mais à cause de votre surface, ce que vous paraissez être au devant des autres. On a ici quelqu'un qui ne connaît pas les problèmes que vous avez eu à traverser avant d'être qui vous êtes aujourd'hui. On a ici quelqu'un qui ne se pose même pas des questions de savoir qui se cache derrière cette femme ou cet homme à succès-là qui se présente devant lui. Et pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici un certain succès, il est probable que vous voulez un amour réel, un amour intense. Vous voulez quelqu'un qui vous aime pour ce qu'il ne peut pas voir de ses deux yeux, mais ce qu'il peut ressentir de vous, votre intérieur, votre cœur. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On va essayer de rentrer dans un peu plus de détails. Qui sont ces personnes qui vous observent? Qui est cet amour qui vous observe? Pour une autre partie d'entre vous, on va aussi essayer de voir un peu quel est ce nouveau business-là que vous êtes ici en train de faire, qui va carrément vous amener à un autre succès ou encore à un peu plus d'élévation à soi. Vous pouvez ici avoir affaire aux Vierges, Bélier, Lion, Sagittaire, Scorpion, Verseau, Ascendant, bisous, bye.